Nous vivons sur une jeune et petite planète au milieu d'un univers incroyablement vaste et vieux. La vie est apparue moins d'un milliard d'années après la formation de notre planète, et malgré les astéroïdes et autres apocalypses planétaires, elle a toujours subsisté, que ce soit au fond des océans ou au milieu des déserts. On est donc en droit de se demander, sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ? L'univers visible est grand, très grand. On estime qu'il contient plus de 100 milliards de galaxies, contenant chacune plus de 100 milliards de planètes. En imaginant qu'1% de ces planètes soit semblable à la nôtre et que la vie se soit développée sur seulement 1% d'entre elles, cela donnerait quand même plus d'un milliard de milliards de formes de vie dans l'univers. D'ailleurs, pas besoin de se limiter aux planètes semblables à la nôtre, même s'il est relativement admis que seul un liquide permet des réactions chimiques complexes. Car dans un solide, les molécules sont trop fixes et dans un gaz trop éloigné, rien ne nous dit que ce liquide doit impérativement être le même que nous. Il est vrai que sur notre planète, la vie est apparue dans l'eau et évolue dans un milieu entre 40 et moins 40 degrés. Mais comment savoir si c'est une norme ou une exception? Peut-être qu'il existe de la vie faite à partir de méthane, d'azote, de magma ou autre. De plus, la définition de ce qu'on appelle la vie est assez floue. Si un jour on découvre une forme de vie totalement différente de la nôtre, que ce soit au niveau de la composition ou de sa manière d'évoluer dans son environnement, il est possible qu'on ne la considère même pas comme de la vie. Par exemple, un robot qui marche, parle et résout des équations, on ne dit pas que c'est un être vivant, contrairement à un arbre qui lui ne bouge pas et ne pense pas non plus. Donc que dirons-nous si on trouve une planète peuplée de robots par exemple? Il suffit de voir les débats sur les virus pour comprendre que la recherche de la vie est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Mais quand on parle de vie extraterrestre, on pense plutôt à une civilisation avec qui nous pourrions communiquer, c'est-à-dire une forme de vie intelligente et qui se trouverait dans notre galaxie. Reprenons nos calculs. La Voie lactée comporte plus de 100 milliards de planètes. En imaginant qu'une planète sur 1000 abrite la vie et que seulement 1% de ces planètes ait développé une forme de vie intelligente, cela fait tout de même plus d'un million de civilisations rien que dans notre galaxie. Pourtant, on a beau observer le ciel sans relâche depuis des années et on ne voit personne, me direz-vous. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit ils sont beaucoup plus évolués que nous, au point de pouvoir aller plus vite que la lumière, se téléporter ou détruire des planètes avec un rayon laser. Si c'est le cas, il est parfaitement possible que la galaxie soit totalement colonisée et interconnectée sans qu'on s'en rende compte. Vu qu'actuellement nous sommes incapables de détecter la vie sur une exoplanète, et encore moins des vaisseaux spatiaux, on n'a donc aucun moyen de les voir. Les communications par ondes électromagnétiques étant beaucoup trop lentes à l'échelle d'une galaxie, ils utilisent peut-être autre chose, ce qui les rend indétectables pour nous. Et s'ils ne nous contactent pas, c'est peut-être parce qu'ils attendent qu'on soit assez mature, ou alors parce qu'ils visitent chaque planète une fois par million d'années, et que la dernière fois qu'ils sont venus, ben il n'y avait que des animaux. On serait alors comme une fourmilière perdue au milieu de l'Amazonie, qui n'a aucun moyen d'observer ou de contacter les humains, qui pourtant colonisent la planète. Ou alors, les extraterrestres ne sont pas plus évolués que nous. Soit parce qu'on est proche de la technologie maximale possible, ou bien parce qu'on est tout simplement l'une des premières civilisations de la galaxie. Dans ce cas, il faut savoir qu'on émet des ondes radio depuis moins de 100 ans. Par conséquent, si on veut une réponse aujourd'hui, il faut que notre interlocuteur se trouve à moins de 50 années-lumière de nous, le temps que notre message leur arrive et que leur réponse nous parvienne. Mais malheureusement pour nous, il n'y a que 200 étoiles dans cette zone, et donc encore moins de planètes. Sachant qu'on a estimé précédemment que seulement une planète sur 100 000 abritait la vie intelligente. Il est donc parfaitement normal de ne pas avoir de réponse, sans parler du fait que les premières émissions radio sont sûrement presque indiscernables du bruit de fond cosmique aujourd'hui. Il faut donc continuer à chercher, et surtout être patient. Et peut-être qu'un jour, dans un avenir plus ou moins lointain, quelqu'un finira par répondre à notre appel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez nos vidéos, vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur Tipeee ou en achetant des goodies dans notre boutique. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne The Flares, qui vous propose d'éclairer votre chemin vers l'avenir à l'aide de nombreuses réflexions sur ce que pourrait être le monde de demain. Quant à nous, toutes les musiques sont originales et disponibles sur SoundCloud en libre écoute. Sur ce, n'oubliez pas que la curiosité est et restera toujours la plus grande des qualités.